Nous accueillons pour terminer cette petite soirée fête de la famille, Madame Ludovine de la Rochère. Vous pouvez l'applaudir. Merci infiniment, Ludovine, encore une fois, d'être venue à Bondy dans le 93, cette fois-ci dans un contexte plus que tourmenté, mais ce n'est pas grave. Ludovine de la Rochère a été donc secrétaire générale de la revue libérale Commentaire, chargée de communication à la Conférence des évêques de France. Elle est cofondatrice et présidente de la Manif pour tous. Merci Ludovine et désolée pour ce contexte un peu perturbé. Merci Akila, merci à tous de votre accueil qui me touche beaucoup. Malgré l'ambiance un petit peu surexcitée, vous êtes là et vous restez là. Vous êtes vraiment les signes et les symboles de cette belle résistance absolument extraordinaire que nous connaissons en France depuis des années. Alors je vous demande pardon parce qu'on avait prévu un écran et je voulais vous faire passer un documentaire qui est une enquête que nous avons réalisée en Asie du Sud-Est, une enquête qui a duré des mois et des mois. Et nous avons filmé des officiels thaïlandais en particulier, et puis nous avons filmé en caméra cachée des commerciaux d'agences de GPA. Et je peux vous dire que ce documentaire en vaut la peine. Alors il sera bientôt rendu public. Donc vous attendrez un peu plus longtemps que prévu, j'en suis confuse. Je voulais le partager avec vous ce soir. Alors, cette soirée à l'ambiance un peu inattendue, les autres années ça s'est passé tout à fait normalement, ou quasi normalement on va dire, me donne envie de dire quelques mots de la démocratie. La démocratie, c'est quand le peuple s'exprime, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans la démocratie, le peuple est représenté, il élit à certaines conditions un certain nombre de représentants, qui sont d'ailleurs supposés ne pas trahir leur parole, mais véritablement, tout le long de leur mandat, représenter le peuple. Et dans une démocratie, on sait que, puisque il y a des élections, puisqu'il y a aussi des votes, il y a aussi des débats législatifs, eh bien, le principe de la démocratie, c'est qu'on échange sereinement, on débat de manière respectueuse, on accepte les opinions contradictoires, on s'écoute, et puis on arrive de manière pacifique, pas à pas, soit à constater les différences, et il y a des différences, c'est incontestable, soit à se mettre d'accord. Et quand, dans une démocratie qui fonctionne bien, ce débat est véritable, et que les arguments sont fondés sur les faits, de manière objective, quand on quitte les préjugés, etc., eh bien les choses peuvent se passer très normalement. Alors nous avons assisté ce soir à ce qu'on peut appeler un dysfonctionnement de la démocratie, mais qui est aussi malheureusement le révélateur, le symptôme d'un malaise qui existe aujourd'hui et que nous avons vécu depuis plusieurs années. La Manif pour tous, quand on a fondé le mouvement, on parlait exclusivement, bien sûr, de l'homme et de la femme, de l'altérité, de la filiation père-mère-enfant, de la famille, et on s'est très vite rendu compte, il faut le dire, qu'il fallait également ajouter, si je puis dire, dans nos revendications, le respect de la démocratie. Rappelez-vous les 700 000 pétitions du CESE qui ont été jetées à la poubelle, eh bien c'était évidemment d'ores et déjà un symptôme d'une démocratie en crise, d'une démocratie malade. Alors après, on est parfois confronté à des groupes qui sont des groupes, des groupuscules, mais qui ont une certaine influence, qui ont des connexions, qui ont des subventions. Et je devrais dire, et je voudrais dire quand même, que je considère pour ma part qu'ils sont plutôt à plaindre. Ils sont dans une situation où, dans la réalité, ils sont extrêmement minoritaires. Et puis, bien sûr, avec des idées qui ont été toutes faites, forgées, manipulées, en quelque sorte, des victimes. Il y a parfois des personnes blessées, on peut les plaindre. Il y a aussi des victimes d'un certain discours et d'un discours dont nous savons à quel point il est truqué, à quel point il manque de véracité, et nous savons aussi comme la falsification peut être grande. Voilà, donc je pense que nous pouvons surtout les plaindre, et puis, si l'occasion se présente, d'un dialogue dans de bonnes conditions, discuter. Et d'ailleurs, autre signe de cette possibilité, les veilleurs, les sentinelles, sont
les plus beaux exemples que l'on puisse trouver de ces personnes qui réfléchissent, qui sont en paix, qui sont là à disposition, qui restent dans la durée et qui acceptent l'ouverture aux autres, qui acceptent aussi, comme vous le faites ce soir, de s'exposer dans cette situation qui est inconfortable. Alors je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps, bien entendu, même s'il y a maintenant moins de bruit. Je voudrais simplement vous dire que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nous souffrons malheureusement, et relancer un débat qui a déjà des années, que nous connaissons bien, qui est celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, celui des besoins de l'enfant. Et nous savons que le combat va être âpre, va être difficile. Et j'emploie le mot de combat parce qu'il y a une opposition véritable. Mais nous devons le mener d'une manière pacifique, bien sûr, mais avec fermeté, avec détermination, avec persévérance. Pendant tout le quinquennat de François Hollande, nous avons pu empêcher la légalisation de la PMA en l'absence de père. Il y a eu plusieurs projets législatifs déposés. Face à notre mobilisation, ces projets ont été retirés. Nous avons obtenu d'autres victoires sous le quinquennat de François Hollande. Et donc soyez sûrs et certains que l'on peut gagner. J'entends dire, ça va être très difficile. Oui, ça va être difficile. Mais si on baisse les bras, c'est certain, ça passerait. Il y a une très belle devise qui dit, qui ose, vaincra. Eh bien, nous devons oser. Nous devons continuer à oser. Nous devons être présents. Et bien sûr, les associations, et en particulier, et notamment celle que j'ai l'honneur de diriger, vous appellera à des actions de toutes sortes des actions qui sont toujours respectueuses des personnes, toujours respectueuses du bien commun, mais des actions sur lesquelles on comptera sur vous parce qu'on sait qu'elles sont susceptibles d'être efficaces. Voilà, il va falloir tenir le coup dans la durée, mais on peut gagner et on va gagner. Le combat contre la PMA sans père, le combat contre la GPA, c'est un combat comme celui qui a été mené contre l'esclavage, contre l'apartheid, contre d'autres pratiques inadmissibles comme celle-ci. Ça a été des combats de longue haleine qui ont été conduits, menés, défendus par des gens visionnaires comme vous. Eh bien, ils ont gagné. Mais c'est vrai que la route sera un peu longue. Merci donc à tous de votre courage. Merci aux intervenants qui sont venus parfois de loin. Merci Franck. Merci Gabriel. Merci Monsieur le Pasteur. Merci à Aquila et à Jean qui ont organisé et à tous ceux qui ont participé ce soir à cette mise en place. Vous savez que ça a été un travail de longue haleine. Donc soyez remerciés du fond du cœur et vous tous participants. Merci.